Mesurer un débit gaz au compteur. Sur ce compteur, les chiffres en noir sont les mètres cubes et les chiffres en rouge sont les décimètres cubes, ou plutôt les litres. Pour mesurer un débit de gaz sur un compteur, il faut un chronomètre, par exemple sur votre téléphone, une calculette et de quoi noter. Mettre en service l'appareil à gaz. Pour une mesure plus précise, laissez 1 ou 2 minutes de fonctionnement. Préparez votre chronomètre. Nous allons faire une mesure pendant 1 minute. Pour faciliter le calcul, commencez la mesure à un nombre entier. Ici, 360 mètres cubes et 100 litres. Il va falloir relever la consommation au bout d'une minute. Top gaz. On trouve en deuxième mesure 360 mètres cubes et 135 litres. Pour calculer le débit gaz au compteur, il faut calculer la différence entre la fin et le début de la mesure. Ici, on trouve une différence de 0,035 mètres cubes, soit 35 litres. Il faut maintenant convertir le débit. Nous avons trouvé 0,35 mètres cubes pour 1 minute, c'est-à-dire 35 litres par minute. Ce qui nous fait en heure 0,035 mètres cubes multiplié par 60, 2,1 mètres cubes heure, ou 2500 litres heure. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.